Bienvenue à cette méditation guidée « Plongée au cœur de soi ». Vous allez pendant quelques minutes plonger au cœur de vous et vous allez profiter intensément de cet instant. Après cette méditation, prenez juste quelques secondes pour mettre un like si cette méditation vous a apporté, si vous avez aimé, pour qu'elle soit diffusée encore plus à plein de hautement sensibles comme vous qui ont besoin de cette méditation actuellement. Commençons. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et en paix. Pensez à mettre votre téléphone en mode vibreur ou éteignez-le, ça sera le plus simple. Que vous soyez assis ou allongé, laissez votre corps se détendre doucement. Fermez maintenant les yeux et commencez à respirer profondément. Sentez l'air entrer par votre nez en inspirant. Ça remplit vos poumons. Puis sentez cet air qui sort par votre bouche en expirant. On inspire par le nez et on souffle. On inspire par le nez et on souffle. On inspire par le nez et on souffle. Doucement, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. On inspire et on souffle. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus les tensions. Relâchez un peu plus vos pensées. Relâchez un peu plus vos soucis. Vous êtes ici pour vous avec cette méditation. Vous êtes ici pour vous, pour plonger au cœur de votre être. Prenez maintenant conscience de votre corps. De ce corps qui est allongé, qui est assis. Ce corps qui vous porte toute la journée. Ce corps qui vous suit toute votre vie. Sentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Si vous êtes assis, ce sera les plantes des pieds. Si vous êtes allongé, ce seront les talons. Sentez ses pieds. Ses jambes, vos cuisses, vos hanches, le bas-ventre, vos fesses posées sur le sol, posées sur la chaise. Ressentez votre ventre, son mouvement qui s'allie avec le rythme de votre respiration. Ce ventre qui monte quand vous inspirez, qui se dégonfle quand vous expirez. Si vous avez du mal à le ressentir, vous pouvez poser votre main sur votre ventre et vous allez ressentir votre main monter et descendre. Monter et descendre. Cette respiration qui berce doucement votre corps. Et on remonte maintenant doucement vers le haut du tronc, là où il y a votre cœur, vos poumons. Et vous pouvez peut-être ressentir aussi ce mouvement perceptible qui monte et qui descend, toujours au rythme de votre respiration. Ressentez votre dos posé contre le sol ou qui est droit lorsque vous êtes assis. Ce dos qui vous soutient. Vous allez remonter un peu plus haut au niveau des épaules. Sentez bien vos épaules, vos bras, vos avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Détendez chaque muscle et laissez aller chaque tension. Et on remonte encore plus haut, au niveau de la gorge, de la nuque, du visage, du crâne, du front.
Relâchez les tensions, relâchez votre mâchoire, lissez votre front, enlevez tous ces petits plis de tension. Vous ressentez tout votre corps. Vous êtes ici, maintenant, dans votre corps, en connexion totale avec vous-même. Et nous allons revenir au souffle. Écoutez votre souffle en vous concentrant sur votre respiration. Sentez l'air entrer par vos narines, se frayer un chemin jusqu'au fond de vos poumons, puis ressortir doucement par la bouche. Peut-être même sentir la température de cet air qui rentre frais dans vos narines, qui ressort plus chaud de votre bouche. Ressentez cet air qui rentre à l'inspiration, qui est frais, qui va jusqu'au fond de vos poumons, qui ressort doucement par la bouche, légèrement plus chaud. Chaque souffle est comme une vague douce qui vous berce, qui vous ramène à vous-même. Laissez ce souffle être votre ancre, un point de stabilité en ce moment de calme. Peut-être que votre esprit vagabonde, c'est normal. Lorsque vous remarquez ça, votre attention s'éloigne, ramenez-la doucement à votre respiration, comme un retour chez vous. À chaque inspiration, accueillez ce moment de paix, et à chaque expiration, libérez tout ce qui ne vous sert plus maintenant. Maintenant, imaginez que vous allez plonger au cœur de vous-même, comme si vous descendiez dans un lac calme et profond. À chaque respiration, vous allez un peu plus loin, un peu plus profondément, vers un lieu en vous-même où règne la paix et la sérénité. Descendez lentement, sans hâte, en vous laissant guider par votre respiration, en vous laissant guider par votre intuition, en vous laissant guider par votre cœur. Vous arrivez dans un espace intérieur, un lieu qui vous est totalement propre à vous, un sanctuaire. Prenez un moment pour observer cet endroit. Quel est cet endroit? À quoi ressemble-t-il? Peut-être ressemble-t-il à un jardin luxuriant, une forêt paisible, le sommet d'une montagne ou une plage baignée de lumière douce. Peut-être est-ce un lieu plus abstrait, un espace de pure énergie. Peu importe ce que vous voyez, ressentez simplement cette sécurité. Ressentez simplement cette paix qui émane de cet endroit. C'est ici que réside votre essence la plus pure, votre être profond, sans masque, sans bouclier de protection. Dans cet espace, vous êtes libre. Libre d'être exactement qui vous êtes, toute votre splendeur,
dans toute votre beauté, dans toute votre complexité, dans toute votre sensibilité. Sentez cette liberté se déployer en vous, comme une lumière qui se répand dans chaque recoin de votre être. Sentez la chaleur de cette lumière, son pouvoir apaisant, son pouvoir guérisseur. Elle touche chaque partie de vous, celles qui sont fortes et celles qui sont plus fragiles. Elle ne fait pas de distinction, elle accueille tout. Permettez-vous maintenant de ressentir profondément votre sensibilité, cette part de vous qui capte le monde avec tant d'intensité, tant de profondeur. C'est ici, dans ce sanctuaire intérieur, que vous pouvez ressentir toute cette richesse, cette force qui vous habite. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, comme on a pu vous le faire croire. C'est une puissance, c'est une force, c'est un don. C'est une porte ouverte sur des mondes intérieurs, sur une compréhension plus profonde de la vie, sur une compréhension plus profonde de vous-même, sur une compréhension plus profonde des autres. Laissez émerger ce qui a besoin de se montrer. Peut-être qu'il y a des émotions enfouies, refoulées, des désirs inexplorés, des rêves qui attendent d'être reconnus, un potentiel à révéler. Accueillez-les tous avec bienveillance. Donnez-leur de l'espace pour s'exprimer, pour exister enfin, pour exister pleinement. Imaginez maintenant que vous vous tenez devant un miroir dans ce lieu sacré. Ce miroir ne reflète pas seulement votre apparence extérieure, il reflète votre âme, votre véritable essence. Regardez profondément dans ce miroir et voyez-vous tel que vous êtes réellement. Voyez votre beauté, voyez votre force, mais voyez aussi vos vulnérabilités. Tout est ici. Accepté, tout est aimé, tout est parfait comme ça. Prenez un moment pour vous parler à vous-même, pour vous offrir des mots de gentillesse, de réconfort. Dites-vous là, maintenant, ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Peut-être avez-vous besoin de vous pardonner, de vous encourager, ou simplement de vous dire que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Laissez vos propres mots résonner en vous et sentir se diffuser dans chaque cellule de votre corps. Sentez maintenant cette force intérieure qui se déploie en vous. Cette certitude que vous êtes exactement là où vous devez être. Cette certitude que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour naviguer dans la vie avec grâce, avec courage, avec succès. Votre sensibilité est votre guide et votre alliée puissante. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Prenez maintenant un instant pour remercier cet espace intérieur, pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, pour explorer vos profondeurs avec tant de courage, avec tant de douceur. Sentez la gratitude monter en vous, pour vous-même, pour ce moment de connexion profonde avec qui vous êtes. Ramenez doucement votre attention sur votre respiration. L'inspiration par le nez, le souffle par la bouche.
l'inspiration par le nez, et on souffle par la bouche. L'inspiration, puis l'expiration. L'inspiration, et l'expiration. L'inspiration et l'expiration. Ramenez doucement votre attention vers l'extérieur. Sentez à nouveau vos pieds au contact du sol, soit la plante de pied ou les talons, selon que vous soyez assis ou allongé. Vos mains posées sur vos genoux, sur votre ventre ou sur le contact du sol. Revenez à la sensation de votre corps ici et maintenant. Bougez légèrement les doigts, les orteils. Vous pouvez lever un bras, puis l'autre, plier une jambe, puis l'autre. Et lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez doucement les yeux. Gardez en vous ce sentiment de calme, de connexion avec votre être profond. Rappelez-vous que vous pouvez revenir à cet espace intérieur à tout moment lorsque vous en ressentez le besoin. Prenez une grande et dernière inspiration et à l'expiration, laissez s'échapper toute tension restante. Vous êtes ici, vous êtes maintenant, vous êtes prêt à continuer votre journée ou à préparer votre nuit avec une nouvelle énergie, avec cette certitude que vous portez en vous, une lumière, une force qui ne demande qu'à briller. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir fait cette méditation. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo, pour une prochaine méditation. Bisous !